C'est une vidéo, les mecs. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, salut tout le monde. On se retrouve. On se retrouve pour un petit vlog. On va découvrir des petits trucs abandonnés, des petits bâtiments abandonnés. J'espère que ça sera cool. J'espère que vous serez dans l'ambiance. Il y a Xavier ici. J'espère qu'on va avoir peur surtout. Aussi. Il y a Xavier, il y a Max qui est là-bas, il y a Lucas qui filme. Donc à tout de suite pour découvrir tout ça. Alors je sais pas si vous voyez bien là-bas, mais le petit trou que vous voyez tout au fond, et bah, c'est l'entrée tout simplement. Et c'est Lucas. C'est Lucas qui va s'y coller pour la première. Et tu vas faire parler belge encore une fois. Allez Denis. Oh. Éclair à l'intérieur. Est-ce que t'es chaud? Théma. La vie. Y'a quoi? J'ai entendu un bruit. Chut. Moi je rentre pas dedans en premier. Mais si tu rentres. Vas-y rentre en premier. Regardez ce qu'il y a. Regardez les. Aïe, les vieilles portes et tout. Donc là vous voyez là, on atterrit dans une grande pièce principale avec plein de débris de ouf, shit normalement. Attention parce qu'il peut vraiment y avoir des SDF qui se cachent ou des fantômes. Attends Lucas. Vas-y Lucas. C'est le caméraman. Il y a des douches. Et ils ont des... Venez voir. Ici, vous avez un truc. Chaud. Ah, c'est une grande pièce. Super incroyable. C'est vraiment un truc de ouf. What? Tout à l'heure, c'était tout. C'est un garage. Et ça filme. Ah, ça filme. Ah bah je sais. Et moi j'ai faim, moi je tire le truc et j'ai faim. C'est vrai? Bon ouais. T'as raf. Ah je peux ouais, pas regarder. Venez, il y a une cage qui a été utilisée pour enfermer des êtres humains, pour les torturer ensuite. On va vous montrer ça tout de suite. Venez avec nous. Venez. Laissez un gros pouce bleu. Parce que moi aussi je sais parler belge, je suis comme Ibra TV moi. Moi aussi je sais parler belge. Vous croyez que je rigole? Fais péter la mousseuse en regardant la vidéo. Et vous me croyez, il n'y a plus la cage. Eh ouais. Allez. Ah ouais. Oh, elle est là. Regarde sa tête de. Attends, j'ai entendu un bruit. Ouais, moi aussi. Il y a quoi? J'ai entendu un bruit. Mais t'es un ouf, toi. Ça a marché. Ça a marché. Ouais. Genre ça a couru vite fait. Mais c'est cage. Ça fait peur, pourquoi il me cache? Ah non, ça fait vraiment flipper. Là, c'est cage. Ça se trouve, il est. Vas-y, il y a une entrée ici. On vient de trouver un ballon au calme. Bon, là, comme vous pouvez voir, il y a des petits escaliers. Oh le bâtard! Et mais toi t'es un gros. Et tu vas voir ça dans la fenêtre après. Et toi t'es un. T'es fou dans ta tête toi. On voit pas. Non, on voit pas. Ah je suis en train de. Ce mec est un psychopathe. Pour ceux qui ne savent pas, on vient de se taper un accident de voiture juste avant. Il a niqué sa sensif. Hein. Il a plus sa sensif. Hein. Puis tout ce qu'il veut, c'est monter sur un toit. C'est véridique.
Je vous mettrai la photo juste à côté de la sortie. Le bon bruit de pas. On part, donc voilà quoi. Vous êtes tranquille. Avec le moins, il est en train de rentrer dans ses deux. Les zigzags. Regardez. What the fuck? Putain, c'est quoi ça? Il y a un tout petit chemin par là. Il y a un passage là, regarde. Oh, il y a des chaînes et tout. Regarde. Regarde, il y a quoi derrière la porte? Qui ouvre la porte? Bien sûr. Regarde, non, Mère Thérèse qui est décédée dedans. C'est quoi? Non, bah, rien. What the fuck? Donc là, on va rentrer dans le tunnel. Ça mène d'où ça? Il y a un deuxième passage. Ça mène dans l'eau. Attends, non, attends. Et il faut le lumière. Hein? Regardez, c'est quoi? Il y a des lunettes. Où ça? Là-bas, non. Et qu'est-ce que j'avais dit au début de la vidéo? Que fait péter la mousse là? Juste avant, on a trouvé une grande entrée qui pourrait laisser passer des gros esprits sévères. Attends, quoi? Attends, ça a bougé. J'ai juré, ça a bougé. Ça fait un chien. Vas-y. Qu'est-ce que c'est pour qu'il rentre? Oh loulou. Une télé, allez. Ça fait un chien. On se fera un clip, quoi. What, ça fait trop chien. Ah, il y en a qui ont mangé des BN. Attends, quoi? Attends, ça a bougé. Ça fait un chien. Mec, c'est une chute d'eau. Ça mène à une autre. Ça c'est genre pour l'eau et tout. Regarde ça. Oh, c'est ça. 2010. Donc là on a découvert une nouvelle sortie. Ici que la petite lampe. Voilà. Clément il va essayer de passer. C'est tout effondré là-dedans. Ouais, je sais, je veux. Mais c'est les cailloux qui étaient là. C'est chaud de rentrer. Peut-être tu rentres facile, mec. C'est chaud. Ça va, Max. Passe ton bras. Faut lui rentrer. Alors, essaye de te tourner de l'autre côté. La plus puissante. Je lui éblouis la gueule. Vas-y, avance-toi du coup. Avance-toi. Essaye de tourner de l'autre côté. What the fuck? Il y a des signes nazis et tout. Oh non, moi je vais pas là-dedans. Qui? Mais il y a des signes nazis. Oui. Mais il y a des signes nazis. Mais qui te dit? T'es assis là? C'est vrai. Et tu fais... Essaye de ressortir pour voir. Bah oui, non, mais essaye juste de te reprofiler. Oh, j'ai des cinésies, c'est quoi ça? Fais gaffe, faut pas te faire. Ouais, fais gaffe. Est-ce que c'est solide à l'intérieur? Bah oui. Vraiment? Bah oui. Et t'es assis direct? Bah là, je suis assis sur toi. Aïe. Et toi, tu rentres, Xav? Bah oui. Non, il est
T'as les épaules trop. Mais vas-y, épaules, prends-moi en vidéo. Il y a au moins un peu de. Bah oui. Non, me tire pas, me tire pas. Bien joué, Clément. Vas-y, Lucas. Et ton Lucas, le petit. Oui, toi, tu rentres facile. En plus. T'es tout fin. Moi, comment je vais galérer à rentrer, putain. Vas-y. Vas-y Lucas, doucement. T'inquiète, c'est bon. Voilà, te cogne pas. Voilà. Vas-y. Tenez. Prends le tel aussi. Vous voyez qu'on est rentré par un tout petit trou de ouf. Vas-y Xav. Et fais gaffe à ta tête hein. Et t'inquiète pas, il n'y a pas de hauteur. Vas-y. Là tu as touché le sol. Vas-y. Bien joué. Voilà. Wouah. Skyline 76 Legio 666. Il y a un 666 ici. Psycho Légion. C'est clair, ça a squatté ici. Il y a un ancien ascenseur. On est en dessous. C'est un ascenseur. Il y a des trucs. Vas-y, me fais voir le haut. Des coups. Tu vas galérer à mettre. C'est en pente, wesh. Là, en fait, il est en comme ça. Ouais, fais gaffe parce que. Allez, Xavier, allez, Xavier. C'est belle, hein. N'importe quoi. Il a tapé à test de devant. Il dit que c'est plus facile, il a même pas tapé. C'est ça, ça se passe comment? Mais ouais. Je passe comment? Mais devant, il a peut-être la première. Tu prenais un screamer, il va arriver. Hey, Mamadou, tu fais quoi là? Qui pouvait se refuser? C'est chaud. Autour de lui. Ça va être plus difficile. Là, tu peux parler de son cul, mais toi le tien, ouais, il est énorme. En plus, il est même pas. Vas-y. La découverte de bâtiments abandonnés est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez un deuxième épisode, vous me dites en commentaire. Lâchez un gros pouce bleu. Ne refaites pas ça chez vous parce que ça peut être dangereux de ouf. Et je vous retrouve la semaine prochaine. En l'occurrence, c'est pas chez eux. Ouais, j'avoue, en l'occurrence, c'est pas chez eux. Ne refaites pas ça tout court. C'est ça. Parce que là, c'était quand même dangereux. On savait pas si on pouvait ressortir. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Et tout ça pour peace. Et pas sur nous. Bisous.